Bonjour, c'est Darky. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment. Pas montrer, mais. Je vais tester comme. Une de mes fusées pour installer un satellite dans le ciel. Vous avez comme un peu compris. En orbite autour de Carbine. La Terre qui est là, bref. Donc, commençons immédiatement. Et je coupe mon micro pour. Dans les phases qui se passent par le rien. Bon, commençons. Ok, là je vais déconnecter le moteur principal. Faut juste laisser le reste des boosters continuer. Les boosters ont plus de gaz, fait que je vais les larguer. Attendre qu'ils dégagent un petit peu pour endommager la fusée. Ok, je vais commencer à tourner un petit peu par là et. Sur les gaz. Juste comme ça craque. Peut-être un petit peu comme ça, ouais. Ça craque. Vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'essence, je vais laisser le micro connecté. Pour l'instant, ça se passe assez bien. Là, il reste presque plus d'essence, donc ok. Là, je séparais toute cette grosse partie-là pour ça mieux comprendre. Tac. Toute cette partie-là, j'en ai plus besoin, fait que je l'ai déconnecté. Et je commence à retourner par la même direction. Il y a un petit bug avec le moteur quand il traverse, mais. On va attendre un petit peu décalé du premier étage pour partir, parce que sinon il va frapper le moteur. On va arrêter le moteur principal, parce qu'on va se concentrer les boosters. Feu! Les boosters durent un peu longtemps, fait que je laisse le micro allumé. Les boosters. Là, allumer le moteur. Voici encore. J'ai un petit peu trop incliné. Là, c'est correct.
Checker mon tous mes trucs. Sont inclinés. Faisait prendre le plus de vitesse par là-bas. Là ça commence. Reste encore assez de fuel. Je déconnecte jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fuel. Plus l'orbite quand ça sera assez punaissance. Ou alors tout ce module j'en ai plus besoin. Il faut régler le moteur. Ok, là recommencer. Le on va finir l'orbite. Essayer la terre là. Et en même temps je régler. Je vais aussi régler l'orbite. Combien je monte? Que là je suis genre oh deux. On va rater genre le. Supposément égal, on va régler ça. Right now. Là, pour arranger, pour avoir plus de périodicisme que. Genre. Pour équilibrer un petit peu les choses, mettez votre fusée face à la Terre. Et vraiment, genre, face à la Terre. Ça. Je galère un petit peu à ces fusées. J'ai pas demandé de faire ça, j'ai demandé de faire ça. Monte et. J'aurais dû installer un système RCS là-dessus pour. Que je galère un petit peu moins. Voyons. Je comprends pas, je demande même pas de faire ça et ça le fait. Ok. Voilà. Là. C'est pas parfait, mais on va faire avec. Là, vous voyez, on est direct face à la Terre. Vous pouvez voir le péroxysme bouger. C'est le réacteur comme il était tantôt. Le péroxysme augmente et l'apogée, elle descend. Je range un petit peu. Va-t'en, ça monte à 300. Genre 300, on va rater. Ça va être bon comme ça. Ça va être un peu plus équilibré.
Il faut qu'il nous reste encore du fuel en plus. Ok. L'œuf. Là, vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime mieux faire. Genre pour l'arc qui les satellites. J'aime mieux faire. Le mettre par devant. Que par derrière ou n'importe quoi. Ok. Faut pas se casser la tête là-dessus, fait que. Boum. C'est impressionnant car ça saute ça, mais. Vous pouvez voir, c'était assez basique que j'ai mis communication, radar, RCS, quelques mesures scientifiques. On refait la base. Là, on va déconnecter. Ouais, fuck. D'habitude, ça peut faire ça, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Des fois ça peut faire ça, mais what the fuck, calm down. Bon, c'est pas grave. Après, pour pas que le module reste à côté du satellite, à cause le satellite à ce stade-là il est rendu dangereux. Vous allez faire les moteurs face comme. Genre à l'opposé de où vous tournez le saturateur, ça vous fera ralentir, il va se barrer. Là vous pouvez voir, mon orbite diminue, fait qu'on va retomber sur Terre. La capsule va retomber sur la Terre. C'est pas vraiment de trucs à. Attends, c'est quoi là, ça? C'est mon hybridateur de la dernière fois. Il tente de me rattraper. Le satellite continue à tourner là-bas. Attends, je vais essayer de le voir. Qu'il continue à tourner? Quand j'ai. Par accident, comme sans penser, j'ai pas mis de pinette à l'intérieur. Je peux pas switcher dessus. On va rester comme ça, il va passer droite. La merde. Soit le module, quand vous commencez à voir apparaître, lui va foncer sa terre et la satellite va continuer dans son orbite. Je peux vous montrer, genre, vous voyez, ils sont bien séparés à ce stade-là. Il va continuer son orbite tranquillou et moi je me crache. J'ai pas mis de pièce, je peux rien montrer tellement dessus, fait que. Je vais vous montrer sur un que j'ai déjà lancé. Oui, satellite 1, c'est un pareil comme l'autre. Faire switch tout. Et. Montrer un petit peu qu'est-ce que tu as, après on va arrêter la vidéo. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas le. Je me tiens à m'excuser pour gros manque de vidéos pendant quasiment un mois et demi. J'étais un petit peu occupé avec l'école sur un mois. Ouais. C'est plus chasse une vidéo demain, mais je suis pas sûr. Ah,
Ça a commencé. Ok. Là, il est à l'opposé de la Terre à cause. Quand il va rester à l'autre côté, il va pointer vers la Terre, mais c'est pas grave. Genre, vous voyez, il y a communication RCS, panneau sonore activé, moteur, ils sont même pas encore été allumés. Et là, il y a un pilote. Ça, c'est intéressant, c'est moi aussi matériel scientifique. Vous pouvez pas tellement voir, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a vraiment pas vraiment beaucoup de choses à voir là-dessus. Donc, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé. Au revoir.